Non, je suis absolument désolé, mais je ne peux plus travailler avec toi, Berthier. Attends, tu me demandes de renvoyer Berthier, c'est ça? Oui, c'est exactement ça. Eh oh, attendez, mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est dégueulasse. Mais je te l'ai déjà dit, je ne supporte plus ta moustache. Doucement, Ménard. Est-ce que ça a déjà posé un problème à la boîte? Mais pas une seule fois en 25 ans de maison. Ah ouais? Et à la COGIP hier? Oula, attention, Berthier. S'il y a eu le moindre problème avec la COGIP, il faut raser, mon vieux. Mais je veux pas raser cette moustache, c'est justement ce qui me donne la force d'aller travailler tous les matins. Mais non d'une pipe, Berthier, ça n'est qu'une moustache, c'est quand même pas grand-chose, merde. Attendez, attendez, tout va trop vite, tout va beaucoup trop vite. C'est vrai, Berthier, vous seriez très potable sans moustache. Tiens, ta brigade est ouverte, Ménard, c'est gênant. Ouais. Oui, je sais, j'ai un slip en laine, ça me donne très chaud. Ah là là, il faut absolument que je trouve une solution à ce conflit interne. Si seulement on pouvait rêver d'un monde où tout le monde porterait la moustache, ce serait tellement beau. Ah non, c'est beaucoup trop utopique, ils vont refuser. Et si j'arrivais à me teindre la moustache couleur peau, ça se verrait moins, non? Non, ça marche pas. Désolé, Berthier. Ça restera toujours des poils et ces poils sont un danger pour la boîte. Alors, c'est la boîte ou la moustache. Ok, je m'incline. Je vais prendre rendez-vous. Alors, à moins que tu nous dises que cette moustache, c'est ton utopie et que Data Gueule va faire un épisode sur toi. Alors là, évidemment, ça changerait tout. Là, on pourrait s'arranger. Là, on pourrait... Si je vous disais que Data Gueule va consacrer un épisode entier à mon utopie moustache. C'est Ménard qui vient de te le dire. Ah bah oui, c'est pour ça que j'ai eu l'idée. Alors, oui, d'accord. Oui. Je me disais aussi, pardon, j'ai complètement déliré. C'était vraiment très intéressant.